les épaves connues. C'est ça, l'expo. Il n'y en a qu'une qui était vierge, c'est elle qu'un mois dans le monde du silence, le Thyssen-Bornholm Glasgow, qui n'avait jamais été exploré. Nous avons été les premiers à mettre la palme sur le pont. Est-ce que vous avez eu la visite de requins pendant que vous plongez? Non. Non, j'ai un jour vu une tentacule d'un poulpe qui venait tâter la peinture. Il a laissé sa trace. Non. Il s'est retiré. Et ce qui est curieux, c'est que les couleurs sont de l'huile, et quand on met un doigt mouillé sur la toile, on ne prend pas de peinture avec le bout du doigt. Parce qu'il n'y a pas d'affinité entre ce qui est mouillé et ce qui est gras. Mais évidemment, si on met la main et qu'on insiste, on finit par arriver jusqu'à la toile. Est-ce qu'il a changé de couleur? Le poulpe. Comme il avait des tentacules mouillées, il a perdu sa trace. Non, mais changer de couleur, lui. Ah non, non. Là, je n'ai vu que le lui est parti sur la pointe des pieds. La pointe des pieds. Vous n'avez jamais eu peur. Non, mais il était curieux. Oui, c'est curieux. Les murènes, il n'était pas très rocher. Quand elle bouge la bouche, c'est pas pour dire j'ai faim, c'est qu'elle respire. Il y a une question. La baleine. Mais vu de loin, oui, et de près, j'en ai vu une. Dans le golfe d'Aden, on a rencontré. Il y en a même plongé. On voyait dans quelle direction elle allait, avec un zodiac, on s'est fait mettre à l'eau devant sa route, et on a vu passer cette espèce d'énorme. C'était un peu comme le TGV, mais très lent. Et avec un œil gros comme l'assiette des fisseurs ou des précurseurs, si vous verrez. Il y a un gars en 1909 ou 1919 qui a fait des peintures. Il faisait un croquis sous-marin et puis il peignait là où ça. Pritchard. Excuse-moi. Et puis il y en a un autre que j'ai découvert l'an dernier, c'est un Allemand qui, au 19e siècle, a fait de la peinture dans une planche à plongeur. Non, il n'y a qu'une gravure qui montre cette. Il n'y avait pas de cinéma à l'époque. Mais avec un peintre espagnol, l'année prochaine, à Barcelone, nous allons exposer deux peintres vivants, un espagnol et un français, plus deux qui sont déjà morts depuis longtemps. Donc on sera un quatuor. Un peu bizarre. Est-ce que tu as de nombreux disciples? Est-ce que tu as des jeunes artistes qui t'ont contacté pour demander de voir ton travail et puis éventuellement qui les accompagnent? Non, quand on me pose des questions, je réponds. Mais je ne suis pas pédagogue. Non. Parce que chacun.